Take you to the swamp now. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump. Do the bump, they bump. Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump. Do the bump, they bump. Clap, slap, jump. Do the bump, they bump. Bully, bully, bully. Wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle formule de Promenade de l'Info, 14e numéro. On est très content de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. On revient aujourd'hui avec une nouvelle formule, une nouvelle équipe, une nouvelle production. Dans cette formule, ça va être désormais un invité qui va être présent du début à la fin de l'émission. Deux chroniques entrecouperont l'interview. Aujourd'hui, les questions décalées avec Caroline Gagé et les questions et les saviez-vous avec Sacha Bonnetête. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bon, je ne vais pas vous reposer la question si vous appelez Princesse ou Hermine, puisque dans beaucoup d'interviews, vous nous avez confié que bah, finalement, Princesse... Non, c'est protocolaire, on va faire Hermine. Hein. On va faire plus simple. Mais la première question, c'est qu'est-ce que ça signifie d'être Princesse aujourd'hui? C'est un héritage. C'est un héritage. C'est moi, j'ai rien fait pour apporter ce titre. En revanche, mes ancêtres se sont battus, voilà, des croisades, des guerres pour défendre la France. C'est quand même assez joli. Vos proches vous appellent plutôt Hermine. Tout le monde m'appelle. Tout le monde. Tout le monde. Non, c'est quand c'est officiel. Quand c'est quelque chose d'officiel, voilà, on dit princesse, mais sinon, oui. C'est. Voilà, c'est protocolaire. Voilà. Vous avez sorti un livre. Et oui, oui, un sacré livre qui s'appelle Politesse oblige, absolument. Les bonnes manières au XXIe siècle. Absolument. Et oui, alors, bon, est-ce que vous trouvez, vous avez sorti ce livre parce que vous trouviez que bah, les gens étaient un peu mal polis finalement dans la vie quotidienne au XXIe siècle aujourd'hui? Alors, non, d'abord j'ai sorti le premier en 96 et là, bah, oui, ça fait presque 96, de nombreuses années après, pour réactualiser. Entre les nouvelles tendances, le téléphone, les réseaux sociaux, et puis tout ce qui peut être les relations sexuelles entre les jeunes. Oui. Tout ça a changé par rapport ça a changé, aux oui, aux puis en 15-16 années, ça change énormément. C'est un an, enfin 16 ans, c'est gigantesque. Donc il y a plein de nouveaux sujets, nouvelles questions, nouveaux. Voilà, nouveau savoir-vivre du XXIe siècle. Alors par exemple, aujourd'hui on tourne à Paris, c'est parfois des situations que vous avez vues, on discutait justement en antenne juste avant, bah, des automobilistes, c'est tout un tout. Vous êtes dit, il faut que j'écris ce livre vraiment pour essayer de changer les mentalités finalement. J'adorerais que les mentalités changent. Je trouverais sympathique que les gens soient plus civiques, plus sympathiques, plus humains, plus généreux dans leurs gestes de tous les jours, dans je dirais leur chemin, c'est-à-dire aussi bien dans le bus que dans le métro, dans la vie quotidienne, au bureau. Oui, non mais c'est vrai et c'est vrai que bon, Paris c'est une capitale, donc il y a du stress, il y a tout ça, mais c'est dramatique. C'est la première capitale où il y a autant de stress et autant de mal-être finalement un peu. Hein, les gens sont antipathiques, c'est incroyable cette agressivité quotidienne qu'on trouve dans les gens tout le temps, dans la rue, dans le bus, dans le métro, partout. Et en voiture, c'est une catastrophe. Vous faites insulter le feu parce vert, que hop, oui, oui. Directement. Oui, puis parce que vous ne brûlez pas le feu, vous avez le droit à une série de bras d'honneur des plus élégants. Vous avez quelques conseils, juste par exemple, pour dresser une table? On a vu dans votre livre que vous donniez certains conseils à ce niveau-là. Pour les jeunes qui nous écoutent, par exemple, dresser une table. Quelques petits conseils d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Dresser une table, c'est déjà, il faut faire un effort pour qu'elle soit jolie, pour qu'elle soit élégante, pour qu'elle soit... Mettre des fleurs, essayer de mettre une nappe ou de jolies dessous de table. Évidemment, le couteau à droite et pas la fourchette. Et puis, contrairement à ce que font tous les restaurants français, où de temps en temps, des très grandes tables ne le font pas, c'est mettre la pointe de la fourchette contre la table et pas la pointe en l'air. Alors, l'origine et la raison pourquoi en France on met les pointes en bas et en Angleterre, par exemple, les pointes en haut, c'est parce que les armoiries étaient d'un côté. Donc, en France, c'est du côté... pointe en bas, et en Angleterre c'est pointe en haut parce que c'est de l'autre côté. D'accord. Mais même je trouve que c'est plus agressif une fourchette avec la pointe en c'est haut. Vrai. Donc c'est
Après, c'est plus joli de la mettre dans l'autre sens. Bon, je vous pose des questions depuis tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui va venir, une nouvelle chroniqueuse, c'est Caroline Gagé, et elle va vous poser des questions un petit peu décalées. Vous êtes d'accord? Mais allons-y gaiement. Hello Caroline, comment ça va? Bonjour Nicolas, bonjour Hermine. Bonjour Caroline. Alors tu vas poser à Hermine de Clermont-Tonnerre quelques questions un peu décalées, oui. C'est ça Caroline? Oui. Je m'inquiète. quelles sont donc ces questions? Quel est le super pouvoir que vous auriez aimé avoir? Rendre tout le monde sympa. D'accord. Quelle est votre insulte préférée? Crétin. Ça veut tout dire. Ça reste toujours classe. Hein. Votre surnom? Mimine. La femme que vous admirez? Mère Teresa. Hermine, ça rime avec? Bonne mine. Est-ce que vous avez déjà volé dans les magasins? Oui. Quelle était? Ouais, des petites perles, une petite boîte de perles, minuscule. Vous l'avez mis dans votre livre? Je vais avoir 14 ans et en plus j'ai été piquée par la sécurité. J'avais honte. Oh là là, horrible. Voilà, mon seul vol, j'ai été prise, je ne sais pas voler. Quelle est votre idole de jeunesse? Ça, c'est intéressant. Votre idole de jeunesse, je n'ai pas. Non? Non. Personne? Non. D'accord. Au moins, c'est clair. Vous incarneriez en qui ou en quoi? En qui? Bezadrine. Il est toujours vivant, mais j'adorerais aller sur la lune. D'accord. Armstrong, puisqu'Armstrong n'est plus là. Est-ce que vous poseriez nu pour Playboy? Très couverte. Mais pourquoi, Hermine? Ça ne se fait pas. Vous ressemblez à quoi le matin? À peu près la même chose que maintenant. Je suis pas très. Je me lève le matin de bonne humeur, contente. D'accord. Oui. Et mes enfants. Non, au contraire. On met de la musique, on chante à la maison. Tout va bien, quoi. Oui. C'est la bonne humeur. Toujours. Ouais. Mais il faut. Ouais. Oui. Mes enfants, je les réveille en musique. D'accord. La télé-réalité, c'était pour l'argent? Ah ben non, c'est pas pour l'argent, c'est pour la chirurgie cardiaque. J'ai quand même rapporté, j'ai sauvé 8 enfants. Ah. Oui, parce que chaque opération coûtait 8000 euros. Et donc, le professeur de cas, c'est hyper motivant. Le professeur de cas m'envoyait à chaque fois la photo de l'enfant qui allait être opéré. Ce sont des enfants qui, sans cette opération du cœur, mourraient. Donc, vous sauvez vraiment une vie. Alors, on tient, parce que vraiment, la bêtise humaine est concentrée dans ces télé-réalités. Et c'est pas facile de vivre autour de la bêtise et de la crétinerie. Et ce qui me sauvait, ce qui me permettait de tenir, c'est que je me disais, je suis mère de famille, et si je sauve un enfant en plus, ben c'est pas mal. C'est pour la bonne chose. Ouais. D'accord. Comment est-ce que vous aimeriez mourir? En dansant ou en dormant? D'accord. De toute façon, on y arrive tous un jour. Chantez-moi la première chanson qui vous vient. Comme ça. La première chanson qui vous vient, tout à l'heure j'en ai écouté une. Je sais pas, oui, femme des années 80. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Et on est réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. On a de l'info, ce n'est pas Star Academy. Non. Rien, hein. Est-ce qu'il est sympa, Benjamin Castaldi? Ah, très. D'accord. Jean-Claude Van Damme a dit, si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever. Qu'en pensez-vous? Eh ben, on a oublié. Non, je crois qu'on a oublié de lui mettre quelques neurones. Qu'est-ce que vous préférez? Il dormait. C'est ça. Qu'est-ce que vous préférez chez vous? Ma bonne humeur. Ah, mais ça se voit. Quel est le pire tu l'amour? Les chaussettes, la gaucherie. Non, je crois que c'est les chaussettes. C'est très laid. Qui a dit, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15? Ah, c'est puissant ça. Je sais pas. John, Paris-Dakar. Ah ouais. Est-ce que vous préféreriez être chauve ou avoir des poils dans le dos? Je crois des poils dans le dos, parce qu'on peut les retirer. Mais... Merci en tout cas, Caroline. Merci pour cette dernière question, elle était ravissante. C'était sympathique. Merci. Comme tout. À très vite. Merci. Au revoir, Caroline. Quant à nous, on va maintenant, c'est moi qui reprends les questions. On parlait de télé-réalité, Hermine de Clermont-Tonnerre, on parlait de Benjamin Castaldi aussi. Mais la ferme célébrité, vous y avez participé en 2005. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Non, 2009. C'était 2009? 2009. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? C'est une bonne expérience, vous regrettez? Non, je regrette pas.
vraiment à cause des enfants, pour le professeur Lequin, pour ces petits bouts de chou à qui on redonne une vie. C'est ça qui est formidable. Mais c'est là, c'est pathétique, mais pathétique de bêtises. Mmh. C'est tirer la France vers le bas, tirer les gens vers le bas. Mmh. C'est dramatiquement bête et en plus méchant. Voilà. Je vais arrêter là. Aujourd'hui, désagréable. Donc on vous reproposerait la ferme célébrité, ce serait, à part si c'est pour une bonne cause derrière. Je gérerais mieux le contrat. Le contrat, il y a eu des problèmes au niveau du... Non, c'est pas ça, mais c'est... ce que vous voyez, c'est rien à côté de la réalité. On dort au milieu de cafards, par terre. Tout le monde imagine qu'une fois que c'est fini, on est dans des palaces. Pas du tout, c'est sale, c'est insalubre. C'est bien aussi. Ouais, donc... qu'est-ce que vous pensez de la télé-réalité en général aujourd'hui? Quand on voit Secret Story, quand on voit plusieurs émissions... C'est la bêtise. Alors, quand vous apprenez à chanter, très bien. Quand vous apprenez à danser, très bien. Là, on s'occupait d'animaux. Voilà, il y avait ce côté nursery. Un peu convivial, un peu... Convivial. Non. Au début, c'est convivial. Mais après, c'est vraiment à qui insultera le plus, fera le plus de scandales, sera le plus antipathique, le plus grossier. Enfin, C'est l'antithèse de ce que j'aime. Et justement, on parlait du livre sur la politesse. Il n'y en a pas, là il y a zéro. Voilà. Et puis surtout, je vais vous dire, la prod derrière, elle tambourine pour qu'il y ait de l'antipathie. Ouais. Quand vous allez dans cette espèce de... Ah oui. Donc c'est-à-dire que tous les clashs qu'il peut avoir dans ce genre d'émission... Ils aident beaucoup. Non, pas tous, il y en a qui sont assez grands pour les organiser, pour les faire. C'est pas vraiment orienté, mais tout est fait pour qu'il y ait de la dispute, de la discorde. Ouais, c'est un peu... C'est un peu pathétique. Aujourd'hui. Donc, non, au début, ça va à peu près, parce qu'il reste des gens sympathiques. Enfin, ce qui était sympa, c'était les adultes, c'était voilà, ceux qui ont un peu de plomb dans la tête. Et après, on garde les plus crétins pour qu'il y ait de la dispute, de la haine, de la discorde. Enfin, voilà. Ah là 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 là. Bon, et est-ce que vous avez des nouveaux projets à nous annoncer, peut-être en exclusivité pour Promenade de l'Info, des nouvelles choses qui arrivent pour vous, peut-être dans l'écriture d'un livre? Un prochain. Ouais. Un prochain en route. Non, pas du tout. Non, j'en ai écrit deux autres qui étaient un peu sur le savoir aimer, sur... Là, je vous dis pas, vous verrez. Oh, avec la surprise. J'ai envie d'avoir des scoops. Mais Hermine, non, vous voulez pas. Voilà, et puis sinon, toujours mon artiste Jean-Jacques Baumet, dont je m'occupe, que j'essaie de faire voyager à travers le monde avec ses toiles, ses peintures et ses collages. Ouais. Et en fait, c'est génial de faire voyager l'art. L'art, ouais. Voilà. Bon, on va passer tout de suite à une séquence que vous allez découvrir dans Promenade de l'Info, c'est le Saviez-vous avec Sacha Bonnefête. Hello Sacha, comment ça va? Très très bien. Alors tu vas apprendre à Hermine et même à moi des choses dont on ne sait pas. Alors, le saviez-vous? Des choses très très utiles, mais en tout cas je suis sûr que vous ne saviez pas, du coup vous allez sortir instruite, princesse Hermine. Oh, avec joie, ça fait un bien fou. Est-ce que vous connaissez Bill Gates? Oui. Et vous savez combien il pèse à peu près en milliards de dollars? 2,5? Non, 50 milliards de dollars, mais sauf qu'il a fait don, il a fait plusieurs dons en fait, il a créé deux fondations. Donc la première, absolument, que gère, je crois. Mettre internet dans les bibliothèques, la première, et puis la seconde, c'est la plus intéressante, c'est celle pour lutter contre la pauvreté et pour le développement des pays pauvres. Alors bon, je sais que vous ne pesez pas encore 50 milliards de dollars, pas encore. Très bien. Mais Sacha, ça va peut-être arriver, on sait pas. C'est ça que je dis pour vous. Hermine. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Je trouve ça exceptionnel. Oh, évidemment. Je pense que c'est le côté féminin et maternel d'une mère, c'est qu'on a toujours envie de s'occuper d'enfants. Mmh. Ah bah c'est un peu normal. La deuxième information, pour le saviez-vous, c'est encore une information d'argent. Pardon Nicolas. C'est un peu les sujets d'actualité. Il s'agit d'un Espagnol, un Madrilène. Arrêtons-nous un peu. On va s'arrêter pour... Voilà. Continue. Non, on va s'arrêter de marcher, je dis. Arrêter de marcher. Comment il a eu peur. Il a cru qu'on arrêtait sa chronique. Non, il se met à pleurer. C'est un Madrilène qui a trouvé un ticket de loto gagnant qui valait 4,7 millions d'euros. Ah. Sauf que le Madrilène, il a rendu le ticket parce que ça ne lui appartenait pas. Il a déclaré à la presse vouloir dormir sur ses deux oreilles. Voilà, avoir la conscience tranquille. Oula. Incroyable. Vous saviez ça, non? Mais non, je savais pas du tout. Mais en même temps, on ne sait pas à qui appartient le ticket, donc pourquoi il en profite pas pour redistribuer après aux gens qu'il aime. Justement, est-ce que si vous trouvez un ticket gagnant, politesse vous oblige. La même comportement. À qui j'irai le rendre? On ne sait pas à qui est-ce. Il n'y a pas de nom dessus. Ouais.
Ben, je veux dire, je ne vais pas aller le rendre au loto, ils ont déjà assez de prix comme ça, donc au contraire, on le prend et puis après, on fait la fête, on donne à plein d'associations, enfin voilà, il faut que ce soit, ça serve pour les autres, mais pas le redonner au loto. La formation, ça fait vraiment le buzz en Espagne, en tout cas l'intéressé, celui qui a trouvé le ticket touchera l'argent si personne ne le réclame d'ici 2 ans. Donc avis à ceux qui ont perdu un ticket de loto du côté de Madrid. Ensuite, on va passer un peu du coq à l'âne, je vais vous parler de George Washington, le président des États-Unis d'Amérique. En fait, l'information, c'est qu'on l'a retrouvé il n'y a pas longtemps son journal intime, dans lequel il déclare une phrase assez particulière: semez du chanvre indien, enfin prenez du chanvre indien et semez-le partout. Alors le chanvre indien, il faut savoir que c'est un peu la résine de cannabis. Alors, est-ce qu'il est un peu accro au joint? On ne sait pas. Eh ben, et donc on comprend mieux comment on fait diriger les États-Unis. Une autre information, elle nous vient de Bangkok cette fois, vous connaissez Hello Kitty. Non, c'est quoi Hello Kitty. Ah, Kitty, ah oui, absolument, je vois. Bah oui, avec ma sauterelle, ma fille. Bah oui. Sauf que des nouvelles politiques à Bangkok pour sanctionner les policiers de Bangkok, la police recommande, enfin oblige les policiers à porter un brassard d'Hello Kitty s'ils font une bêtise, enfin en gage de punition. Donc c'est un peu une perte de charisme. Ah oui, ça c'est sûr, ça, oui. Et enfin, dernière information, je sais que vous avez des enfants. Oui. Ah bah oui. Oui, mes bouts de choux. Donc j'étais obligé de terminer par cette note-là. Alors bon, c'est pas une information très geek puisque il s'agit de 50 enfants qui ont été hospitalisés. Ils ont vu un film donc, qui s'appelle La princesse et la grenouille, quelque chose comme ça. Et en fait, ils essayaient d'imiter le personnage principal qui s'avère. Vous voyez, voilà, le savoir-vivre, les gens pas du tout énervés. On a de la chance, il nous a pas klaxonné. On a des preuves dans cette émission. Juste après avoir vu ce film, ils ont essayé d'imiter le personnage principal qui s'avérait être une grenouille. Donc voilà, il y a 50 enfants qui essayaient d'imiter une grenouille. Donc j'espère que ça va pas arriver au mot, c'est facile. Ou en tout cas dans leur chambre, mais pas dans la rue. Oui. Et pourquoi ils ont été malades? Pourquoi ils ont été... Bah, ils ont fait une fixation sur la grenouille. Ça peut arriver quand tu as moins de 10 ans. Ah, pourquoi pas? Eh ben, merci. Ils sont allés à l'école en sautant en grenouille. Sportifs, ces enfants. Merci beaucoup, Sacha, en tout cas. Merci, Sacha. Très intéressant, hein. On a un apprenti. Ah, mais j'en ai appris. Avec oui. Sacha. C'est absolument formidable. Bon, ben, quant à nous, on va se quitter. Hein. Quelle tristesse, déjà. C'est triste, hein, quand même. Ah, ouais. Bon, ouais. Vous faites un petit coucou à nos internautes, d'ailleurs, qui sont très nombreux à nous suivre. Hein. Enfin, ils nous suivaient l'année dernière, j'espère qu'ils vont nous suivre encore. Hein. Moi, je vous conseille. suivez. Les promenades de l'info, très important. Très important, parce qu'on se balade vraiment, c'est pas du... Absolument. C'est pas un mensonge. Promenade de l'info, c'est terminé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.promenade-de-l'info.fr. Un remerciement à toutes nos équipes, JMTV+, tous nos techniciens et à Hermine de Clermont-Tonnerre d'être venue pour cette première. Ciao, bye bye.